prier de vous lever. Père de gloire, voici un autre moment important dans ce culte où, après avoir répandu nos cœurs devant toi, nous voulons écouter ta parole, parce que ta parole ne sort pas en vain. Ta parole sort avec un but qu'elle veut atteindre dans nos vies. Laisse que ce matin, nos vies soient touchées, que nous soyons touchés au plus profond de notre être, que quelque chose change, que nous cessions d'être légers, que nous cessions d'être distraits, que nous cessions d'être comme des personnes qui n'ont pas de sens ou qui n'entendent pas ce qui est dit, mais que nous soyons des personnes qui entendons la parole de Dieu, qui comprenons l'importance de la parole de Dieu et qui la mettons en pratique. Ce matin, Seigneur, parle encore au cœur de tes enfants, car nous vivons des temps mauvais. Nous avons chanté des chants tout à l'heure, Seigneur, qui nous invitent à nous élever, à nous lever, à nous reconsacrer à toi, à reprendre la vigueur, à te servir, à t'honorer, Seigneur, dans l'appel qu'il y a sur notre vie. Et nous voulons le faire avec joie, et nous voulons le faire avec zèle, et nous voulons le faire avec détermination, et nous voulons le faire en sachant que, Seigneur, tu reviens bientôt. Et nous voulons être de ceux qui répondront oui à ton appel quand tu viendras chercher ton Église. Merci de nous faire du bien ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons ensemble, on reste debout, et on lit ensemble dans la première épître de Pierre. 1 Pierre au chapitre 4. On va lire quelques versets à partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. On l'a chanté, un amour fervent. Ayons les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pas de temps à perdre. Ça va être ça le titre du message. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce n'est plus le temps de perdre du temps. Pas de temps à perdre. Le titre, je l'ai emprunté, je n'ai pas inventé. Je l'ai emprunté, moi, à une émission qui passait dans une chaîne de radio de Québec. Cette émission a arrêté depuis quelques années. Je pense que c'est en 2015, je ne me rappelle plus. Mais l'émission avait pour titre « Pas de temps à perdre ». C'était animé par un auteur, un Québécois, un auteur conférencier québécois, s'appelle Jean Nadeau. La chaîne en question, la radio, c'était la CKRL. Ben, le but que le monsieur visait dans ses émissions, c'était évidemment lui de faire ce qu'on appelle le développement personnel des gens, que les gens s'accomplissent dans leurs objectifs, dans leurs plans de vie, c'est pousser les gens à s'accomplir davantage. Alors, j'ai pris ce titre parce que je veux parler un petit peu dans le même sens. Le chrétien doit s'accomplir aussi.
Le chrétien naît avec un but, le chrétien a une destination qu'il doit atteindre, le chrétien va dans un sens, il y a un but que le Seigneur nous a assigné, il faut qu'on l'accomplisse, il faut qu'on s'accomplisse dans le but que le Seigneur nous donne. Alors, le message de ce matin, c'est un message d'encouragement. C'est un message qui nous invite à maximiser le temps pour faire ce que Dieu attend de chacun de nous. Il y a des choses que Dieu attend de chacun de nous. Donc, maximisez le temps. Parce que le temps est court. Le texte le dit. La fin de toute chose est proche. Le temps est court. Ce n'est plus le temps de perdre. On n'a pas de temps à perdre. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Mais nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Mais quand on parle de la fin est proche, ça peut être entendu de différentes manières selon les personnes qui l'entendent. Ce matin, il y a des personnes qui ne sont pas avec nous parce qu'ils tenaient absolument à aller suivre un match. Il y a un match final, la finale de la coupe de soccer aujourd'hui, la coupe mondiale, alors c'est la finale. Il y a des gens qui ont décidé donc de suivre ce match. Alors au cours de ce match, vers les dernières minutes, 90e, 88e minute, 85e minute, l'arbitre va sûrement parler, dépendamment de l'équipe qui est gagnante ou pas gagnante. Si c'est dans l'équipe gagnante, l'arbitre va dire à ses troupes, « Oh, faites vite, mais gardez-le fort, parce que nous sommes en avance, gardons cette avance. » Parce que le temps est court, la fin approche. C'est pour leur dire, faites les derniers efforts, mais maintenant cette avance que nous avons. Si c'est une équipe qui est perdante, ben on va leur dire, faites tout là, et la fin approche, faites tout. Faites tout pour gagner encore des points, faites tout pour marquer des buts. Le même message quand on l'adresse à un jeune homme aujourd'hui. Un jeune homme dit, mais moi, j'ai toute la vie devant moi. Je n'ai que 20 ans. J'ai toute la vie devant moi. Mais pourtant, pour le jeune homme comme pour la personne âgée, la fin est proche. Mais quand on lui dit la fin est proche, il dit j'ai encore le temps. Et ce n'est pas le genre de message, en tout cas, que les jeunes gens vont vouloir entendre. Quand vous donnez un tel message, la fin est proche à une personne qui est malade, à l'article de la mort, qui est condamné, il sait qu'il vit des temps de douleurs difficiles, etc. Vous dites, la fin approche. Lui, c'est un message d'espoir, c'est un message d'encouragement. C'est presque une bonne nouvelle. Il dit, ouh, enfin, ma délivrance va arriver. Si vous donnez un message comme ça à un homme politique, un dictateur dit, la fin approche. Il dit, mais pas déjà. Je pensais que j'avais encore des années devant moi. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour un dictateur quand on lui dit que la fin approche. Mais pour nous chrétiens, quand on nous dit la fin approche, ça doit être considéré comme une bonne nouvelle. C'est un bon avertissement pour que nous puissions nous ressaisir, pour que nous puissions nous lever, pour que nous puissions faire ce que Dieu attend de nous. La fin est proche, c'est en même temps un message d'avertissement. Parce que le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, ne nous trompons pas parce que nous entendons tellement de choses. Le monde est en sursis. Oui, la science évolue. Oui, la technologie avance. Oui, on arrive à prolonger le nombre d'années de vie des gens. Oui, on découvre des façons d'aller trouver, on espère trouver l'eau sur d'autres planètes. Et donc, on se dit, peut-être qu'en allant sur d'autres planètes, la vie va... Il y a tellement de choses qu'on attend, mais ça ne change rien. Le monde est en sursis. Le message est actuel. La fin de toute chose est proche. Et l'heure arrive où va arriver cet événement inéluctable, inévitable. L'événement du retour de Jésus-Christ va arriver bientôt. Mais le problème que nous avons comme chrétiens, c'est quand on entend un message comme ça du retour de Jésus-Christ, la plupart des fois, on le prend dans le sens, mais c'est quand ? On cherche la date, on veut savoir. Mais pourtant, on oublie que Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Seuls les anges ne savent pas quel est ce jour Jésus-Christ reviendra. Ils ne savent pas. Seul le Père connaît le jour et l'heure. Il le disait à ses disciples. Donc on n'a pas besoin de chercher à connaître le temps. Ce qu'il nous faut chercher comme enfants de Dieu, c'est de dire, bon, puisque je suis averti, puisque je sais
que la fin de toutes choses approche, c'est de m'efforcer de vivre avec la certitude que quelque chose de grand arrive, que quelque chose va bientôt arriver. Et je dois me comporter comme quelqu'un qui attend, on lui dit que tu vas mourir demain. Je sais qu'on te dit que tu vas mourir demain, mais aujourd'hui tu vas vivre différemment que tu as vécu toutes les autres fois. Surtout si tu es chrétien, tu vas fuir le péché, tu vas dire non, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas ceci, parce que je vais mourir demain. Nous devons vivre comme ça, vivre dans cette attente, vivre avec certitude que cet événement arrive. Cet événement arrive, il n'y a pas de doute. Alors, beaucoup de textes sont là pour nous aider. Jésus n'a pas juste dit, voilà, que ben, la fin des temps va arriver et puis il les laisse comme ça. Il dit, il y aura des signes. Il y aura des signes qui vous avertissent. Il y aura des signes qui vous parlent. Lisons dans Matthieu chapitre 24. Je vais lire deux autres textes, mais d'abord dans Matthieu, au chapitre 24, il est dit ceci. C'est dans ce chapitre d'ailleurs que Jésus parle beaucoup, beaucoup de cette fin des temps. Je vois par exemple ici au verset 11 et au verset 12, il est dit ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce qu'on n'est pas en train de le vivre? Oui, on est dedans. On est en plein dedans. Je parlais avec une personne cette semaine. Tu sais, on parle parfois, on dit, mais l'église ne grandit pas. L'église, qu'est-ce qui se passe? Mais les autres églises grandissent. Et puis la même personne qui me dit que telle église, par exemple, grandit, et il y a beaucoup de gens dans cette église. La même personne me dit qu'elle a discuté avec le pasteur de cette église. Il lui a posé la question, mais qu'est-ce qui fait que ton église se maintient et elle continue à grandir? Ah, mais nous faisons, nous prêchons, nous prions, oui, nous prions beaucoup. Mais nous invitons beaucoup aussi des prophètes. Mais la personne avec qui je parlais dit, mais il y a beaucoup de faux prophètes ces temps-ci. Il dit, oui, je le sais. Mais les gens aiment ça, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, vous vous rendez compte de la responsabilité que nous portons? Vous savez que vous invitez un prophète qui est un faux prophète, qui dit des fables, parce que ce qu'il dit, il n'y a rien qui s'est jamais réalisé. Et vous continuez à inviter de telles personnes parce que le peuple réclame. Le peuple veut entendre des choses qui plaisent à leurs oreilles. Et toi, comme responsable, tu embarques dans ce jeu. La fin de toutes choses approche et nous rendrons des comptes. Seigneur Jésus a dit, il y aura des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. L'amour de plusieurs se refroidira. L'amour de plusieurs. On n'aime plus l'église, on n'aime plus la vie d'église, on n'aime plus les activités de l'église, on n'aime plus ce que l'église programme. On n'aime plus. L'amour se refroidira. Nous sommes en plein dedans. Au verset 14, on parle de cette bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée. Pourtant, l'évangile est prêché. Des fois, avec des faussetés, mais l'évangile est prêché. Et aujourd'hui, on peut dire que l'évangile a atteint quasiment toute la surface de la terre. Il n'y a quasiment plus de coins où l'évangile... Avec les technologies, l'Internet et tout ça, on suit tout ce qui se passe à travers le monde. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. C'est des choses qui sont dedans. Nous sommes en plein dedans. Au verset 24, on nous dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. C'est ça qui draine les gens. C'est ça qui attire les gens. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous vivons dans ces choses, ce sont des avertissements, ce sont des signes que Dieu nous a donnés donc dans sa parole. Si nous allons lire d'autres textes dans l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, je vais lire quelques versets. Il dit, sache, Paul qui parle à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Je continue. L'amour de l'argent et tout le reste, tous ces mots, nous sommes en train dedans. Les gens aiment plus avoir du temps pour le plaisir, pour se distraire, pour se détendre, mais très peu de temps qu'ils veulent consacrer à ce qui touche à Dieu, à ce que Dieu nous demande.
Beaucoup de gens, vers la fin des temps, vont avoir, nous dit ce texte, l'apparence de piété, mais ils vont renier tout ce qui en fait la force. La foi est absente complètement dans toute leur vie. Amen. Et Jésus l'a dit lui-même. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous sommes dedans. Dans 2 Timothée chapitre 4, même chose, je t'en conjure, à partir du verset 1er, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprends, censure, exhorte, même si les gens ne veulent pas ça, nous allons continuer à reprendre, à censurer, à exhorter avec douceur, mais en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles. Et là, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille. Oui, nous aimons un pasteur qui parle de ces choses-là. Nous aimons ce genre de message. Et vous êtes en train de téléguider. Donc la personne n'écoute plus ce que le Saint-Esprit lui dit de faire, mais il faut faire ce que le peuple aime entendre, et c'est ça qui... Non. Ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps de s'amuser. L'heure est grave. Notre responsabilité comme berger, c'est de paître les brebis du Seigneur. C'est leur amener la vérité pour qu'aucune ne se perde. Nous rendrons compte vis-à-vis de toutes ces brebis que le Seigneur nous a confiées. Et c'est ce que Pierre est en train d'exprimer dans le texte que nous avons lu dans 1 Pierre 4. C'est vraiment ce que Pierre est en train d'exprimer. Donc, puisque nous tendons vers la fin de toute chose, puisque la fin de toute chose approche, il y a des conséquences que nous devons en tirer. Nous ne pouvons pas entendre ce message et rester comme ça, on dit, mais, et puis, non. Il y a des conséquences qu'on doit en tirer. Il y a des attitudes qui doivent changer. Il y a un style de vie que nous devons adopter. Il y a des actes nouveaux. Il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Absolument. Sinon, nous sommes comme des gens insensés. Mais il y a un style de vie que nous devons changer. Et dans ce texte de 1 Pierre 4, il y a quatre recommandations que nous allons voir ensemble ce matin. Des recommandations donc Pierre fait à l'Église. Et la première, c'est au verset 7. Il dit, c'est comme s'il disait, « Puisque la fin de toute chose est proche, alors soyez sages et sobres. » Soyez sages et sobres. C'est de vivre d'une manière sage. C'est de vivre d'une manière sobre. La sagesse, c'est quoi, frères et sœurs? La sagesse, c'est chercher à être en accord avec le Créateur. Je ne cherche pas d'autre explication. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Celui qui m'a créé, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a élu, celui qui m'a mis à part, celui qui m'a appelé à son service, qu'est-ce qu'il attend de moi? La sagesse, c'est de faire sa volonté. La sagesse, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans les voies que tu m'as tracées. Voilà la sagesse. La sagesse, ce n'est pas seulement se fier au progrès de la science et de la technologie. Comme je disais tout à l'heure, qui parle de prolonger la vie sur terre, etc. Non, ce n'est pas seulement ça la sagesse. La sagesse, c'est de dire, je vais vivre en accord avec le Créateur. Il y a des choses que Dieu veut que nous fassions, il faut qu'on puisse les faire. Donc, la sagesse, c'est se conformer à la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas vraiment vivre seulement dans la sagesse, il faut vivre également dans la sobriété. La sobriété pour un enfant de Dieu, c'est vivre de manière modérée, de manière équilibrée. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on pousse les gens. J'ai parlé tout à l'heure de cette émission qui pousse les gens à faire le maximum, aller quasiment à l'extrême. C'est la tendance aujourd'hui de vivre au maximum. La tendance aujourd'hui, c'est de faire des choses extrêmes. Beaucoup de gens perdent leur vie
parce qu'ils recherchent des choses extrêmes qui ne leur apporteront rien, ni même à la société, mais juste parce qu'ils veulent s'accomplir. Non, la sobriété, c'est de vivre de façon équilibrée. Oui, il y a des objectifs que nous pouvons nous fixer, mais on ne peut pas toujours vivre de manière extrême, à la limite des choses. Frères et sœurs, la recherche du sensationnel tue beaucoup de gens, arrête beaucoup de gens dans ce que le Seigneur fait, et ça ne peut être qu'une distraction. La recherche du sensationnel. Il faut que je sois le premier à avoir fait ceci. Il faut que je sois le premier à avoir gravi. Il y a quelqu'un qui vient de mourir. Il a déjà fait beaucoup d'exploits en montant. C'était un pompier, je crois. J'ai vu ça à la télévision, sur Internet dernièrement. Il est mort parce qu'il voulait aller beaucoup plus loin qu'il n'avait été jusque-là pour qu'il soit, je crois, le premier Québécois à le faire. Écoutez, et il est mort. Ce n'est pas ça, la sobriété dans laquelle le Seigneur nous appelle. Ce que Dieu attend de nous, c'est de vivre dans la simplicité. Ce n'est pas de dire, nous faisons tout le contraire de ce que le monde fait. Il y a des choses que nous pouvons faire, évidemment, mais nous devons nous concentrer, frères et sœurs, sur l'essentiel. L'essentiel pour un enfant de Dieu, c'est de chercher à vivre en communion avec son Dieu. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça doit être ça notre priorité. Ça doit être ça notre priorité. Le reste, tout le reste, derrière lequel les gens courent, etc., sans repos, le reste nous sera donné, donc pas dessus tout. Il y a un autre texte dans le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 20, qui nous dit, je paraphrase, « Si nous sommes fidèles, un homme fidèle à Dieu est comblé de bénédictions. » Quand nous sommes fidèles à ce que Dieu attend de nous, ben nous serons comblés de bénédictions. Amen. Nous ne courrons pas derrière les bénédictions. Les bénédictions nous accompagneront. Les bénédictions vont nous combler notre vie. Merci Seigneur. Donc, quand ces deux éléments, la sagesse et la sobriété, sont présents dans la vie d'un enfant de Dieu, alors on peut mettre notre temps à profit pour vaquer à la prière. Le verset dit, la fin de toute chose est proche, soyez sages et sobres. Parce que si vous n'êtes pas sage, si vous n'êtes pas sobre, c'est difficile de vaquer à la prière. C'est difficile de prendre le temps pour la prière. C'est difficile de dire que la prière est importante. Et nous allons voir comme deuxième recommandation que Pierre fait, donc c'est d'avoir cette sagesse, c'est d'avoir cette sobriété qui nous amène à nous mettre en accord avec notre Dieu, avec notre Créateur. Mais aussi c'est important, pas juste de faire ces deux premières choses, mais de vaquer à la prière, de passer du temps dans la prière, de considérer que la prière n'est pas une perte de temps, mais c'est quelque chose d'important. Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 5, verset 16, nous dit que la prière fervente du juste, pas une prière occasionnelle, la prière fervente, de manière continue, de manière avec détermination, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et si vous regardez l'histoire de l'Église primitive, le succès de l'Église primitive ne repose pas dans les méthodes. Quelles méthodes ils ont utilisées là? En tout cas, lisez le livre des Actes des Apôtres, lisez les Épîtres, il n'y a rien qu'on nous dit là-dedans. C'est des gens qui passaient beaucoup de temps dans la prière, et ils avaient raison de passer beaucoup de temps dans la prière, parce que eux, à cette époque, étaient combattus. Ils étaient jetés en prison, ils étaient pourchassés, on leur empêchait d'accomplir ce à quoi le Seigneur les a appelés. Mais il fallait qu'ils trouvent la force de continuer dans la prière. La force d'affronter des rois, devant des tribunaux, devant des cours, d'avoir le cran de dire, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons entendu, comme dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 20. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Nous ne pouvons pas. Où est-ce qu'ils trouvaient cette force, sinon dans la prière? Ils allaient se ressourcer dans la prière. C'est pour ça qu'ils ont continué le chemin, malgré qu'on leur barrait la route, malgré qu'on les jetait en prison, malgré qu'on en a même tué quelques-uns. Mais ça ne les a pas arrêtés dans leur marche, parce qu'ils allaient se ressourcer, ils allaient trouver la force dans la prière. Donc ayons du temps à consacrer à la prière, que la prière ait une place dans notre vie, comme individu, comme famille, mais comme église aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on maintient le rythme depuis des années. Si on devait regarder au nombre de personnes, on ferait comme tout le monde.
Ah, et quand il y a deux personnes, quand il y a trois personnes, ça ne vaut pas la peine. Non, on s'est retrouvé des fois deux personnes ici. On s'est retrouvé des fois quatre personnes ici pour la prière. Mais on a prié. On a pris l'heure et demie qu'il fallait pour prier. Et le Seigneur a exaucé nos prières. Le Seigneur a écouté nos prières. La place à la prière. Par la prière, on glorifie Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Le glorifier, l'adorer. Notre raison d'être, c'est de le louer, de le célébrer, de le glorifier et de l'adorer. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Dans la prière, nous pouvons le faire. Mais beaucoup de gens ne nient pas l'importance de la prière. Moi, le premier. Beaucoup de gens ne nient pas l'efficacité de la prière. On reconnaît l'efficacité de la prière. C'est pour ça que des gens continuent à demander. Même quand ils ne viennent pas à l'église, ils disent « Priez pour moi tel sujet, priez pour moi tel sujet » parce qu'ils reconnaissent l'efficacité de la prière. Mais eux-mêmes ne prennent pas souvent le temps, ne consacrent pas suffisamment de temps pour ce faire. Alors comme église, prenons la résolution d'avoir du temps dans la prière. Prenons la résolution de prier en famille. Prenons la résolution de temps en temps quand nous avons l'occasion de nous joindre à l'église, au reste de l'église, pour pouvoir prendre le temps dans l'église. Parce que c'est dans la prière que notre foi grandit. C'est dans la prière que notre foi s'exerce. Devant les montagnes qui se dressent devant nous, nous n'avons d'autre moyen que la prière. Et c'est là-dedans, quand nous voyons que nous avons prié pour un sujet et que nous voyons qu'il y a exaucement, ben on dit gloire à Dieu. Notre foi grandit. Ça nous dit comme message que, ben oui, vous ne priez pas en l'air. Vos prières ne restent pas bloquées au niveau de ce plafond. Vos prières montent jusque dans le trône de grâce et Dieu en retour répond. Ça fait grandir la foi. Voulez-vous que votre foi grandisse ou voulez-vous rester bébé spirituel? Si vous voulez que la foi grandisse, la meilleure façon de l'exercer, c'est dans la prière. C'est dans la prière, et particulièrement dans les temps de la fin. Nous ne savons pas ce que les temps de la fin nous réservent. Je veux dire, comme situation ici au Québec ou ailleurs dans le monde, nous ne savons pas. Mais il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir des situations difficiles que si nous ne puisons pas la force dans la prière, nous aurons du mal à tenir. Nous allons lâcher, nous allons abandonner, nous allons trahir notre foi. Mais il faut puiser la force dans la prière. Et quand Dieu voit un cœur qui le cherche, quand Dieu voit un cœur qui le désire, quand Dieu voit comment nous le cherchons, mais Dieu se révèle à son peuple et Dieu manifeste sa puissance. Frères et sœurs, la prière a un autre avantage. J'aimerais vous partager ici. C'est que la prière, le temps que vous consacrez à la prière, vous êtes d'accord avec moi que vous ne faites pas autre chose. Donc, au moins ce temps-là que vous mettez à la prière vous détache, vous permet d'échapper aux attractions du monde. Vous ne pouvez pas être en train de prier et en même temps être en train de regarder la télévision. Vous ne pouvez pas être en train de prier et en même temps être en train de, je ne sais pas, de texter ou de faire autre chose. Les attractions du monde, il y a tellement d'appâts que l'ennemi a mis. Et ça affecte tout le monde. Nous tombons tous dans ce piège là-bas. Pendant des années, on ne voulait pas entrer sur Facebook. Mais on a fini par entrer. Mais le temps qu'on passe dans Facebook, ce n'est pas toujours bénéfique. Ce n'est pas toujours bénéfique. On devrait le consacrer davantage à la prière. On y entre, on ne sait pas quand on va sortir. Même chose Internet. On y entre, on ne sait pas quand on va sortir. Mais il faut qu'on fasse attention. La prière a cet avantage, c'est qu'il nous permet d'échapper à certaines attractions de ce monde. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut être cloisonné comme des moines. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous inviter à faire. Je n'invite pas les gens à ne plus vivre en communication avec l'extérieur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est de savoir dire qu'il y a un temps où je me retire. Il y a un temps que je me mets en dehors de tout ce mouvement qui m'entraîne vers des choses qui ne bénissent pas, mais que je devrais mettre à profit pour prier. Prier pour l'Église a des besoins. Il y a des frères et sœurs qui ont des besoins particuliers. Il y a des souffrances dans les familles. Il y a des souffrances dans les pays. Prier. Ça ne veut pas de prier égoïste. Tu peux ne pas avoir de besoins personnels. Mais il y a tellement de besoins autour de nous. Juste se mettre à l'écoute et le Seigneur va donc te parler. Il va te révéler pour qui et comment prier pour ces personnes. La prière fervente, c'est cette prière qui persévère, où nous passons plus de temps avec le Seigneur, et plus nous passons du temps avec le Seigneur,
assurez-vous que on n'a pas besoin de vous bousculer pour que vous ayez le dégoût des choses du monde. Si vous trouvez du plaisir dans le temps que vous passez avec le Seigneur, vous allez augmenter ce temps. Vous allez l'augmenter de vous-même et vous aurez automatiquement de moins en moins de temps à passer à des futilités. Nous devons donc persévérer dans la prière, je l'ai dit, individuelle, communautaire. Nous devons persévérer parce que c'est une des choses que l'ennemi combat le plus, parce qu'il connaît la puissance de la prière. Il connaît la puissance de la prière. Le pasteur dont j'ai parlé tout à l'heure, il a dit, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous prions. Nous sommes une église qui prend la prière au sérieux. Soyons un peuple qui prenons aussi la prière au sérieux. Merci Seigneur. Et celui qui nous écrit ça sait combien la prière n'est pas facile. Quand ils se sont retrouvés avec Jésus dans le jardin de Gethsémani, vous vous rappelez de ce passage où Jésus, à trois reprises, il leur dit « Veillez et priez avec moi ». Il revient, ils sont endormis. Veillez et priez avec moi. L'heure est grave, dit-il. On a besoin de puiser des forces dans la prière, sinon vous allez succomber à la tentation. Veillez et priez. Il revient, ils sont endormis. Vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. Le Seigneur nous donne 24 heures par jour. On ne peut pas prendre un petit temps. Une heure, c'est rien. Il y a des gens qui s'amusent à faire des calculs du nombre d'heures que l'on vit ou que l'on passe à dormir, à manger, à s'amuser. Mais quand vous regardez la portion qui peut être réservée, je ne parle même pas de la prière, je parle des activités liées à la vie chrétienne. Ce n'est même pas 1% de ce temps-là. Ça ne représente rien. Faisons un effort, frères et sœurs. Faisons un effort pour que nous puissions donner à la prière la place qu'il faut, particulièrement en ces temps que nous vivons. La troisième recommandation que Pierre nous fait, c'est au verset 8. Et Francine nous a amené beaucoup dans ce sens depuis le début de la louange. C'est « Ayez avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Pas un amour tout court, un ardent, vivant, enflammé. Un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. J'aimerais qu'on lise d'autres textes qui vont nous permettre de comprendre cela. C'est d'abord dans Matthieu au chapitre 22. Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 36, il est dit ceci. C'est Jésus donc qui parle avec les scribes. Et au verset 36, il y a un des pharisiens qui lui pose la question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et au verset 38, il dit, « C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. » Que tu ne peux pas dissocier, tu ne peux pas juste dire j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, sans que tu n'aimes ton prochain. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Lisons un autre texte dans l'évangile selon Jean, Jésus qui parle, Jean chapitre 13, on va lire le verset 34. 34 et 35, qui dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Et au verset 35, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, l'apôtre Pierre revient sur ça, d'avoir l'amour les uns pour les autres, parce que c'est un commandement, parce que c'est important. Ayez l'amour les uns pour les autres, un ardent amour les uns pour les autres. De quel amour Pierre veut parler ici? Quel est ce genre d'amour que l'apôtre Pierre nous invite à manifester auprès de notre prochain, auprès de ceux qui nous entourent?
C'est pas un amour qui juste de la bienveillance vis-à-vis de quelqu'un. Ce n'est pas du tout ça. C'est un amour qui va au-delà de la simple bienveillance. Un amour qui nous va nous amener, je l'ai déjà dit ici une fois, mais j'ai vu des yeux ouverts comme ça, un amour qui peut nous amener à prendre des risques. Pouvez-vous prendre des risques pour un frère? Pouvez-vous prendre des risques pour un frère, une sœur qui souffre? Pouvez-vous le faire? Voici le genre d'amour que le Seigneur nous demande. Prendre des risques, aller s'engager. Là où en temps normal on dit, mais qu'est-ce que tu as à voir avec lui? Je m'engage pour que cette personne sorte du trouble. Je m'engage pour que son couple puisse aller bien, etc. Aimer les gens, c'est pas juste la bienveillance, c'est pas juste le sourire mécanique qu'on connaît ici. Hein? C'est pas juste ça. C'est pas juste l'accolade qu'on fait le dimanche matin. L'amour véritable, c'est un amour, frères et sœurs, qui va au-delà de cette simple bienveillance que nous manifestons facilement, je n'en doute pas. Mais ça va au-delà, que peut nous amener à prendre des risques pour que quelqu'un d'autre sorte du trouble. C'est un amour qui se concrétise aussi parce qu'il appelle au verset 9 l'hospitalité. L'hospitalité entre enfants de Dieu. Quand on parle d'hospitalité et qu'on lit comment ça se passait à l'époque de l'église primitive, c'était des gens qui étaient vraiment hospitaliers, leur maison était ouverte pour accueillir les gens. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça que les choses vont se passer. On n'est pas prêt. D'abord, le genre de maison qu'on a, peut-être on a deux chambres, puis ben, c'est occupé, on n'a pas de place, etc., etc. On ne veut pas nécessairement s'encombrer. Je ne parle pas de cette hospitalité, mais je parle d'une hospitalité qui a été ce moteur qui a permis à l'église primitive d'aller de l'avant. Si eux ouvraient leur maison, ce n'est pas nécessairement que nous devons faire comme eux, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce n'est pas seulement à la maison que l'hospitalité peut se manifester. L'hospitalité, c'est dans l'accueil, par exemple. Je donne souvent l'exemple de l'église. On n'a pas à se précipiter pour partir, saluer des gens, saluer la maman de Ghislaine, saluer la maman de Fabrice. Elle qui vient la première fois nous voir, elle est déjà venue ici, saluer. L'hospitalité, c'est cela. Montrer de l'accueil, approcher les gens, parler avec ces personnes. L'hospitalité, c'est d'inviter de temps en temps quelqu'un au restaurant. Nous allons toujours, c'est la même, j'avais la même gang qui veut aller au restaurant. Mais un jour, on dit non. Frère, mais toi, tu ne viens jamais avec nous. Viens avec nous ce dimanche. Viens avec nous ce dimanche. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est ça aussi l'hospitalité que la parole nous recommande. C'est des fois de transporter quelqu'un. Il y a des gens qui n'aiment pas transporter quelqu'un dans leur auto. Moi, enfin, je ne vais pas parler de moi, mais je vais en parler quand même. J'ai souvent dit avec elle, mon épouse dit, c'est peut-être le don que Dieu m'a donné, le don du transport. Ça me poursuit depuis l'Afrique. Partout où je vais. Je vais dans une fête, je vais dans un mariage, je vais dans ci. Il va y avoir quelqu'un qui a besoin d'être transporté. C'est moi qu'on va désigner. Jean, est-ce que tu peux prendre cette personne? Sans considérer qu'elle va dans une direction contraire à la mienne. Sans considérer que c'est très tard. Mais Jean, peux-tu amener cette personne? Et je l'ai toujours fait avec joie. Je rends service. C'est de l'hospitalité. Frère, vous pouvez le faire aussi. Il y a des gens qui veulent venir à l'église, mais il n'a pas d'auto. Faites un détour. Ah non. Il faut faire un détour. L'hospitalité, c'est cela aussi. Et c'est ça qui renforce l'amour les uns envers les autres. Ça peut aussi être un temps d'échange après le culte. Pas nécessairement invité au restaurant. Des fois, oui. Des fois, juste prendre le temps avec une personne. Mais je te vois souvent à l'église, mais d'abord, je ne connais pas ton nom. J'ai toujours dit à l'église, frère, vous connaissez les noms des membres de l'église. C'est des frères, c'est des sœurs. Connaissez les noms des membres. Pilou, est-ce que tu connais les noms de tout le monde ici? Pas mal. Je le crois. Je le crois parce que lui, il va vers les gens. Il va beaucoup vers les gens. Merci Seigneur. Et il faut le faire. Allez vers les gens. Connaissez les noms des personnes. Approchez les personnes. Là, peut-être la personne va voir que, mais tiens, on s'intéresse à moi. Et va ouvrir son cœur. Et va dire ce qu'elle vit de difficile seule dans son coin, de peur de dévoiler. Mais elle va le faire. L'hospitalité, c'est cela. Et c'est ça qui renforce cet amour donc, que nous devons avoir. L'amour que nous devons développer les uns envers les autres, c'est un amour qui va nous amener à éviter des conflits. Les conflits sont vite arrivés, frères et sœurs. Tu vas dire quelque chose à quelqu'un sans
mauvaise intention. Mais ça peut générer un conflit que personne ne peut plus arrêter. Parce que l'autre a mal compris, même quand tu essaies de revenir vers elle pour t'expliquer, c'est parti et dit non, tu m'as dit ça. C'est l'amour qui fait tout pour éviter des conflits. Si on se connaît les uns les autres, on sait jusqu'où je peux aller avec telle personne, jusqu'où je peux aller avec telle autre personne. Il y en a qui me comprennent ici. Amen. Gloire à Dieu. L'amour qui évite des conflits, qui ne garde pas rancune. Oui, on va se frotter les uns aux autres. Oui, on va se coller. On va se faire mal parfois. On va se donner des coups de coude parfois. C'est par inattention, etc. Mais tu vas faire mal aux gens. Par une attitude, par un comportement que tu as eu, par des paroles que tu as sorties. Mais ne gardez pas rancune. Quand la personne vient vous voir pour vous expliquer, je n'avais aucune mauvaise intention, ne gardez pas rancune. Il n'y a pas d'amour à ce moment-là si vous gardez rancune. L'amour qui ne garde aucune rancune. C'est cet amour, c'est ce type d'amour qui ne garde pas rancune. C'est ce type d'amour qui évite des conflits dont on parle ici quand il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que il me semble que beaucoup de gens, en tout cas entendent des commentaires parfois, beaucoup de gens comprennent mal cette partie du verset. L'amour couvre une multitude de péchés. Beaucoup de gens interprètent mal ce passage. C'est important de clarifier un peu cela. Qu'est-ce que ça veut dire, cet amour qui couvre une multitude de péchés? D'abord, je vais vous dire ce que ça ne veut pas dire. Ce que ça ne veut pas dire. Donc, et ça, c'est les mauvaises interprétations que l'on peut avoir auprès des gens. Ça ne veut pas dire que nos péchés, puisque j'ai l'amour, parce que je manifeste l'amour, mes péchés sont couverts. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire non plus que les péchés de l'autre sont couverts, sont pardonnés, dans le sens où il n'a plus à se repentir, où il n'a plus à aller reconnaître sa faute devant le Seigneur et demander pardon. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire non plus que nous pouvons continuer à pécher parce que nous faisons beaucoup d'œuvres bonnes, des œuvres de charité, des œuvres de ci et de cela. Il y a des gens qui se cachent derrière ça. Ah, moi, j'ai mes œuvres, j'ai des gens que j'aide. J'ai eu une collègue, elle avait décidé, dit, moi, tous les matins, quand on travaillait à la banque, tous les matins, elle venait avec, je ne sais pas combien d'argent, mais tous les matins, il y avait un monsieur, on a su par la suite, c'est à force de l'approcher, mais c'était un mendiant. Il était toujours au bas de l'escalator là-bas. Il sait que tous les gens qui vont à la banque, c'est des banquiers, donc c'est de l'argent. Il s'éteignait tous les matins. Le monsieur est assez propre, tout ça, mais tout le monde passait, ne regardait pas. Elle avait dit, non, je vais approcher cette personne. Elle a commencé à donner un peu d'argent tous les matins. Elle dit, moi, ça c'est, je ne sais pas comment elle appelait ça, en tout cas, c'est comme mon action, hein? Bon, c'est ça, bon, ok, voilà. Alors, il disait ça, il me disait ça. Je dis oui. Mais un jour, il a fait un pas de plus, il est allé voir la personne. Il a trouvé que ce monsieur était un monsieur respectable dans la vie. Je ne sais pas ce qu'il a connu de déboire dans la vie, etc. C'était un enseignant, un professeur, mais qui se retrouve à mendier là-bas. Et il lui a dit, mais pourquoi tu ne cherches pas de travail? Il dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais en attendant, ben, je viens quémander ici parce que je n'ai même pas le droit d'être, je crois, au bien-être social ou quelque chose de ce genre-là. Ce n'est pas du tout en faisant ces gestes là-bas qu'on est en train de couvrir nos péchés et nos faiblesses. Ni les péchés de la personne, ni les propres péchés de celui qui fait cette œuvre de charité. Ce n'est vraiment pas comme ça. Les bonnes œuvres n'ont jamais justifié personne. Les bonnes œuvres ne sauvent personne. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour être sauvés, pour être lavés de nos iniquités. Donc ce n'est vraiment pas dans ce sens qu'il faut le comprendre. Mais ce que ça veut dire maintenant, d'où est-ce que cet amour ici tire sa force? Parce qu'on a dit ceci, cet amour doit être ardent. Hein? Cet amour nous donne la force de continuer de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc c'est ce que Pierre veut dire, nous allons le lire dans 1 Pierre chapitre 1er. On va lire 1 Pierre 1, verset 22 qui nous dit, et je reviens, 1 Pierre 1, verset 22, il dit ceci. Ayant purifié vos âmes,
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est déjà repenti. C'est quelqu'un qui a déjà fait acte de repentance, qui a purifié son âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Donc, tu ne peux pas avoir cet amour fraternel si tu n'as pas encore purifié ton âme, si tu n'as pas encore obéi à la vérité. Donc, cet amour tire sa force du fait que nous avons purifié nos âmes, du fait que nous avons obéi à ce que Dieu commande, de ce que nous avons obéi à l'appel de Dieu, que nous avons purifié nos âmes et qu'on a ainsi été régénérés. C'est parce que nous avons été régénérés, c'est parce que nous avons fait ce pas de foi et de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons été régénérés et que nous sommes en mesure d'aimer. On ne peut pas aimer avoir un tel amour qui est recommandé de soi-même. La force nous l'attirons parce que nous avons été régénérés, nous avons été changés. Et alors, puisque nous pouvons aimer, nous sommes en mesure, à ce moment-là, de passer par-dessus les fautes des autres. Voilà la signification. L'amour couvre une multitude de péchés. Puisque nous sommes en mesure d'aimer quelqu'un, alors nous pouvons passer outre les fautes qu'il commet envers nous. Amen. Les bonnes œuvres ne justifient personne, personne. Mais c'est parce que nous avons été régénérés. C'est parce que nous avons même connu l'amour de Dieu. Cet amour qui nous a sortis des voies de la perdition. Le grand amour de Dieu envers nous. Que nous pouvons nous-mêmes être en mesure d'aimer d'autres personnes. Et si nous sommes en mesure d'aimer quelqu'un, nous pouvons passer par-dessus les fautes, les erreurs qu'il commet. Dans le couple, c'est pareil. S'il n'y a pas de véritable amour, frères et sœurs, la moindre faille de l'autre va devenir une montagne qui peut mener loin, qui peut mener à la séparation. Mais quand on est animé de cet amour, d'un cœur régénéré, alors on est en mesure d'aller au-delà des fautes commises par les autres. Mais tous, nous avons besoin de nous repentir. Tous, on ne dédouane pas quelqu'un en l'aimant. On ne dédouane pas quelqu'un en disant, bon, j'oublie ta faute. Cette personne doit reconnaître elle-même, dans son cœur. Seigneur, je reconnais. Oui, il m'a pardonné, mais je reconnais que j'ai péché. L'amour qui couvre une multitude de péchés, nous puisons la force du fait que nous avons été régénérés en notre Seigneur Jésus-Christ par le prix du calvaire, par le prix du sang de Jésus-Christ. Alors, le dernier point, la dernière recommandation que Paul, Pierre nous fait dans 1 Pierre 4, c'est au verset 10 et jusqu'à la fin. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. C'est un appel, c'est une exhortation à mettre les dons que nous avons reçus. Tout ce que nous avons comme don, tout ce que nous avons comme talent, nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et nous devons les mettre au service des autres. Et au service de l'Église, forcément. Nous devons les mettre au service de l'Église. Dans l'Épître aux Romains, il y a aussi dans l'Épître aux Corinthiens, mais je vais lire dans l'Épître aux Romains, je vais lire le chapitre 12, au verset 6, il est dit ceci. 12. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. C'est la grâce de Dieu. Tous ces gens qui se vantent d'avoir des dons, ils oublient de dire merci à celui qui donne les dons. Mais puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, pas n'importe quel enseignement, mais l'enseignement véritable de la parole de Dieu. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ça nous parle des dons que nous avons reçus de Dieu, qui doivent servir pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir
de ce que nous avons comme don. Moi, je sais faire ceci. Comparer aux autres, non. C'est pour l'utilité commune. Dieu ne nous a pas donné ça pour notre ego. Dieu nous a donné ça pour que ça serve pour l'avancement du royaume. Que ça bénisse l'église, que ça bénisse nos familles, que ça bénisse les gens de l'extérieur, etc. Nous voyons que tous ces dons, donc on vient de parler, doivent servir pour l'utilité commune. Et j'étais ici, je crois, mercredi, oui, dans l'exhortation que j'ai apportée à l'ouverture de la réunion, j'ai amené ce texte de 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, qui dit ceci, Paul qui encourage encore son fils Timothée dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition, ne néglige pas. Si Dieu ne t'a pas donné les dons pour que ça reste dormant, Dieu t'a donné des dons pour que ça serve. Il y a un besoin dans l'église, il faut que ton don serve. Les dons de service, les dons d'enseignement, les dons de toutes sortes de dons que vous pouvez imaginer, donc doivent servir pour que l'œuvre de Dieu avance. Ça veut dire que nous devons nous comporter dans ces temps de la fin comme de bons intendants. Nous rendrons compte. C'est Dieu qui nous a donné ces dons, qu'est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu vas aller le cacher comme l'homme qui est allé cacher le talent et dit, je sais que tu me demanderas toujours des comptes, toi tu veux toujours beaucoup d'argent, non j'ai gardé ça pour... Non, non, nous devons fructifier ces dons, les mettre au service de ceux qui en ont besoin, au service des autres et au service de l'Église. Nous rendrons bientôt compte à Dieu, devant Dieu, pour l'usage qu'on aura fait de tous ces dons. Mais, quels que soient les dons que nous avons, frères et sœurs, nous devons nous en servir, que ce soit des dons de parole, que ce soit des dons de service. Tout doit être exercé sans gémir. Sans gémir. Mais nous devons le faire avec zèle. Sans gémir, c'est sans se plaindre. Si Dieu t'a donné, tu le mets au service, fais-le sans te plaindre, sans gémir. Mais il faut le faire avec zèle, avec joie. Mais il faut le faire aussi avec humilité. Pour ne pas flatter son ego, il dit, mais as-tu vu, moi, je sers à l'église, je fais ci, je fais cela, je fais ci. Non, il faut le faire avec humilité. Sinon, nous sommes en train de nourrir notre petit moi, là. On veut qu'il grossisse, que tout le monde sache ce que nous faisons. Non, il faut le faire avec humilité. Voilà ce qui est bénissant, voilà ce que Dieu attend de nous. Et tout doit surtout être fait, il l'a dit, avec la force que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous communique la force de servir dans l'Église. C'est Dieu qui nous communique la force de faire ce que nous faisons auprès des frères, auprès des sœurs, autour de nous. Et quand nous faisons ces choses, nous devons le faire de manière à ce que la gloire revienne à Dieu seul. Que la gloire revienne à Dieu. Seigneur, que tu te réjouisses de ma vie. Seigneur, que tu te réjouisses du travail que je fais pour l'Église. Je ne veux pas, c'est bon d'avoir des encouragements au sein de l'Église, mais ce que je veux le plus, c'est que toi, ce que je fais, te plaise. C'est que tu aimes ce que je fais. Amen. Je termine là-dessus. Quatre recommandations qui sont tirées de ce texte. Nous venons de les passer donc en revue. La première recommandation, nous la voyons donc au chapitre 1 Pierre 4. Au chapitre 4, le verset 7, d'être sage et d'être sobre, parce que nous savons que le temps approche. Et quand nous vivons de cette façon-là, nous allons pouvoir consacrer du temps à la prière, qui est capitale, qui est importante pour grandir notre foi, parce qu'il y a tellement de choses qui risquent de nous faire perdre la foi dans ce monde ici. Nous devons veiller à ce que notre foi soit continuellement nourrie quand nous approchons de la présence du Seigneur. Quand nous prions, ça nourrit notre foi dans la mesure où nous voyons les résultats de la prière et nous nous réjouissons dans le Seigneur. D'avoir les uns envers les autres un amour ardent qui a des résultats, qui est palpable, que l'on voit, que les gens disent, il y a de l'amour dans cette église. On entend souvent, dans notre église, il y a l'amour. Mais c'est l'amour comment ? C'est l'amour parce qu'on se donne des accolades, c'est l'amour parce qu'on se sourit, c'est l'amour parce qu'on a des activités ensemble. C'est bon, mais il faut aller au-delà de cela.
de l'amour ardent les uns envers les autres, parce que cet amour couvre une multitude de péchés et permet plutôt une meilleure symbiose entre les personnes. Et nous, enfin, nous, comme des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, tout ce que nous avons reçu comme don, que nous puissions les mettre au service les uns des autres et donc de l'Église. La fin de toutes choses approche. Ce n'est pas une raison de dire, bon, ben, alors je ne fais plus rien, je me garde. Ça peut aussi être une autre réaction qu'on peut adopter. On dit, bon, mais moi, je ne m'engage plus à rien, je me garde, une raison de dire, ça ne vaut plus la peine. De toute façon, Christ revient bientôt. Ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans, je ne l'ai pas fait. Non, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Engagez-vous et travaillez pour l'avancement du royaume. Ce n'est pas une raison de laisser tomber les bras, mais dans l'esprit que Pierre a ici, c'est l'occasion de se tenir prêt, de se tenir debout pour cette prochaine échéance, et c'est l'occasion de veiller donc à l'état de nos relations avec Dieu et avec le prochain. Le texte que nous avons lu est concentré sur les rapports humains, l'amour fraternel, etc., etc. Les rapports humains sont importants aussi dans ce que le Seigneur attend de nous. Merci Seigneur, nous n'avons plus de temps à perdre, c'est le moment de se lever. Amen.